Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à ceux aussi qui sont à distance. On va démarrer par un petit extrait musical. On m'a trop donné, bien avant l'envie, j'ai oublié les rêves et les merci, toutes ces choses qui avaient appris, qui font l'envie de vivre, et le désir et le plaisir aussi. Qu'on me donne l'envie. Quel artiste, autre que toi, Johnny, symbolisait le mieux l'énergie, le spectaculaire, le rock'n'roll? Avec plus de 180 tournées, plus de 3000 concerts, presque 30 millions de spectateurs, c'est bien toi qui étais, et encore, considéré comme le boss, le leader, le patron, le taulier, l'Elvis Presley français, d'après le New York Times. Alors, Johnny, nous sommes ici aujourd'hui pour parler de leadership. D'après les dernières études en management, notamment celle de l'APEC sur les nouveaux enjeux du management, on observe que les entreprises cherchent à s'adapter aux mutations de leur environnement. Elles évoluent d'une organisation verticale, rigide, vers une organisation horizontale, plus fluide, censée précisément libérer les énergies. Par mutation de l'environnement, on entend accélération du rythme des transformations, nouvelles attentes des salariés, coopération entre générations de salariés, nouveaux modes de travail, charges de travail croissantes et toujours la performance au cœur du système. Dans ce contexte, la gestion de l'énergie est cruciale. Alors, avant de se poser la question de comment mobiliser son énergie, la question est d'abord de la définir. Et, Johnny, je t'ai piqué quelques-uns de tes ingrédients. Premier ingrédient, l'endurance. Eh oui, pour allumer le feu, tu étais préparé comme un athlète. Ton coach sportif, Hervé Lewis, disait de toi que tu étais un viking, une force de la nature. Vous vous entraîniez plusieurs heures par jour. Eh bien, le dirigeant aussi doit s'entraîner pour gérer son niveau d'énergie et tirer le meilleur pour son organisation. Deuxième ingrédient, l'identité. Avec ta gueule, ta passion, ta rock'n'roll attitude, mais aussi l'angoisse, le désespoir, les excès, les extravagances, tu t'es forgé ton identité. Au cours de ta carrière, tu as su puiser toutes les énergies, toutes les émotions liées à ton histoire et ton personnage. C'est l'énergie émotionnelle. Et le dirigeant aussi doit s'appuyer sur son agilité émotionnelle pour pouvoir animer ses équipes, développer leur créativité et accroître leur performance. Troisième ingrédient, la combativité. Noir, c'est noir. Et comme tu l'as toi-même dit, Johnny, une carrière n'est pas une longue ligne droite. Heureusement qu'on n'est pas toujours en haut et qu'on se plante parfois. Et comme l'a dit l'un de tes paroliers, Philippe Labro, tu avais la capacité à faire face à tout. C'est l'énergie mentale. Comment tenir bon face aux doutes sans l'énergie de se relever face aux obstacles? Cette force n'est pas, ou peu, innée. Quatrième et dernier ingrédient, la vision, vivre pour le meilleur. Tu avais des envies de grandiose, des ambitions démesurées. Et c'est comme ça qu'avec ton producteur Jean-Claude Camus, vous avez inventé un nouveau style de spectacle français, avec débauche de cascades, de décors de cinéma, de pyrotechnie, dans des salles toujours plus grandes. Et paraît-il, juste avant ta mort, tu disais encore que ta prochaine tournée allait être spectaculaire. C'est l'énergie spirituelle. Car si les compétences techniques sont importantes, la quête de sens est indispensable dans le leadership. Alors, Johnny, tu vois, le dirigeant performant serait donc celui qui a la capacité à trouver l'équilibre entre les énergies physiques, émotionnelles, mentales et spirituelles. La question clé, alors, est comment s'y prendre? Ce que je vous propose, mesdames, messieurs les dirigeants, c'est une démarche volontaire, intentionnelle. C'est à vous de vous mettre en condition de réussir
votre journée, votre semaine, votre mois, votre année. Et cette démarche comprend deux étapes. La première étape consiste à vous placer dans des dispositions physiques et cérébrales positives. C'est l'alliance des énergies physiques et émotionnelles. Se mettre en condition physique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire être bien dans son corps, bien manger, bien dormir, faire du sport, se changer les idées. 1 heure à 1h15 serait le temps nécessaire pour simplement compenser nos comportements sédentaires. Et d'après Goodwill Management, un salarié sédentaire qui se met à pratiquer une activité physique et sportive peut gagner de 6 à 9% en productivité. Une fois le physique en mouvement, il s'agit de se placer dans un état d'esprit positif. Gallup, Institut de sondage américain, a mené une étude auprès de plus d'un million de salariés à travers le monde sur le management par les points forts. Résultat, 67% des collaborateurs managés par les points forts se disent engagés, prêts à mobiliser leur énergie. Dans le cas inverse, le taux chute à 2%. Alors, si vous, en tant que dirigeant, vous commenciez par vous-même, listez vos points forts, rappelez-vous des moments de particulière réussite, de satisfaction personnelle. Rappelez-vous aussi des moments plus difficiles où vous avez su remobiliser votre énergie. La deuxième étape consiste, sur cette base positive, à fixer le cap. Fixer le cap pour vous-même et pour vos équipes. C'est l'alliance, cette fois, des énergies mentales et spirituelles. Alors, fixer le cap, ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'abord être capable de décider avec discernement. C'est le moment d'analyser votre environnement. Utilisez, par exemple, la matrice SWOT. Faites le point sur vos forces, vos faiblesses, vos menaces, vos opportunités. Et votre équipe, dans quel état est-elle ? Avez-vous toutes les compétences nécessaires pour relever les défis ? Et établissez plusieurs scénarios pour pouvoir prendre la bonne décision. Fixer le cap, c'est aussi c'est aussi utiliser votre énergie à bon escient. Perte du signal GPS, d'accord. Le GPS nous ramène sur l'énergie à bon escient. Utilisez là aussi, par exemple, la matrice d'Eisenhower. Faites le tri entre l'important et l'urgent. Déterminez où sont vos priorités. Selon la loi de Pareto, 80% des résultats sont obtenus par seulement 20% du travail. Ça vaut le coup de décider où placer son énergie. Fixer le cap, c'est aussi vous interroger sur le sens. D'après Deloitte, à la question « Pensez-vous qu'il y a un lien entre sens et performance ?», 82% des individus ont répondu « Oui ». C'est donc le moment de revisiter votre vision, votre projet, vos objectifs, vos valeurs. Et partagez-les avec vos équipes. Les énergies en seront canalisées et renforcées. Enfin, fixer le cap, c'est aussi faire le point sur vous-même en tant que leader. Quel leader êtes-vous ? Quel leader avez-vous envie d'être ? C'est par une personnalité forte que vous pourrez animer et influer vos équipes dans des environnements complexes et changeants. Alors, à l'image de Johnny, faites votre propre combinaison entre endurance, identité, combativité et vision. Et ne restez pas seul, pensez à vous faire accompagner. Et ensemble, mobilisons nos énergies pour aborder cette année sous un angle résolument rock'n'roll. Merci Barbara, de tous ces éléments, de tous ces guides. Avant de laisser la parole à la salle, tu nous as parlé de fixer ce cap. Est-il d'utilité, en fixant ce cap, d'anticiper aussi les scénarios catastrophes plutôt que de voir, de voir tout ce qui peut être positif, à contrario ? Alors, oui, c'est tout l'intérêt de faire un travail d'analyse un peu en profondeur, alors que ce soit la matrice SWOT ou un autre outil, peu importe. Mais en tout cas, d'identifier sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer et où sont les points de faiblesse et de vigilance. Et là, d'établir les scénarios qui vont bien en face.
Bien sûr, le scénario catastrophe doit être envisagé. Après, ce n'est pas interdit de faire des scénarios positifs aussi, on a le droit d'être optimiste. Mais l'idée, c'est de développer l'agilité et de pouvoir, parce qu'on est bien préparé, qu'on a envisagé toutes les options possibles, ensuite trouver la meilleure option en fonction de la situation dans laquelle on se trouve et en fonction des éléments identifiés dans l'analyse, je pense. Alors, au sein du groupe Evol, vous avez multiplié les accompagnements pendant cette période de pandémie. Si on en revient à l'énergie, quelles énergies ont le plus manqué à vos coachés ? C'est pas vraiment un type d'énergie qui manque. Ce qui manque, c'est la bonne combinaison, la combinaison qui est la bonne pour soi. C'est-à-dire le bon équilibre, ce qu'on disait tout à l'heure, entre les quatre énergies. On peut être un super sportif et pas avoir le sens. Et ben, on a beau être entraîné physiquement, avoir toute l'énergie qu'on veut, si on ne sait pas où on va, ça ne sert à rien. C'est évident ce que je dis, mais c'est quand même vrai. De la même manière qu'on peut avoir, on sait où on veut aller, mais on n'est pas correctement préparé. Ben, ce n'est pas dit qu'on va arriver à tenir la distance non plus. Donc le travail qu'on fait, nous, avec les personnes qu'on accompagne, c'est bien ça. Alors, dans notre jargon de coach, c'est trouver le fameux alignement. C'est ça le travail. Moi, je préfère combinaison.